souvent, on commence par plier les genoux, on pose les mains, on avance en position gainage, on se redresse, on revient, les épaules bien en arrière. Et on recommence. On revient, épaules en arrière. On accélère petit à petit. Pour bien échauffer l'ensemble du corps, les genoux, les hanches, les épaules, les bras. On souffle bien, on respire bien, vous allez à votre rythme et vous accélérez au fur et à mesure. Pour le prochain, on va rajouter les pieds. Je ramène un pied à une main, un pied à l'autre main. Et je reviens avec les pieds, 1, 2, et on remonte, 1, 2, et on remonte, allez encore 30 secondes comme ça, pour bien mobiliser les hanches, chauffer les adducteurs, et comme c'est facile, après avoir fait les pieds, on rajoute une pompe. Et on fait la pompe. Pour bien travailler les épaules et les bras. Pensez à respirer. Allez, 5, encore 1, 4, 3, 2, 1, on se redresse, on respire, on descend légèrement sur ses appuis, bassin en rétroversion, donc le bassin vers l'avant, les mains autour de la tête, et je vais gentiment venir toucher mes genoux, et petit à petit je descends, j'essaye de garder le dos bien droit, et on essaye de descendre, vers les chevilles, progressivement, on fait attention à la colonne, on y va vraiment doucement, c'est toujours l'échauffement. On descend un petit peu plus sur le squat. La prochaine minute, on va travailler les squats dynamiques et squats statiques. Donc, on écarte un petit peu plus les appuis. Pieds vers l'extérieur, talons rentrés, on descend sur les jambes, on garde le dos bien droit. Et on va partir sur des tout petits dynamiques. On fait ça 20 secondes, et quand je dis on bloque, on reste 10 secondes. Et on bloque. Allez. On tient, et la fois d'après, on descend un petit peu plus. 3, 2, 1, on repart dynamique, et on descend. Alors encore 10 secondes en dynamique, et on bloquera 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, on bloque. On respire. On souffle bien et on se redresse. Dernier exercice, un petit peu d'équilibre. Je me mets face à vous, les mains devant soi et on va se mettre sur un pied. On va écarter les pieds, lever les bras comme si vous aviez des haltères. On contracte le ventre, les bras et on lève le pied. Et ça force au niveau des fessiers. Les abdos qui sont gainés, les bras qui sont gainés. On change de côté et on y va. Même chose. On repose jamais la jambe au sol et on essaye de maintenir son équilibre. Allez, encore 10 secondes. Trois, deux, un,
On repose. On boit un coup. Pensez à vous hydrater. Si vous êtes un chameau comme celui, ne buvez pas. Je vais aller. Après. Round 2, un exercice qu'on fait souvent. On s'imagine sur une croix, on replie les bras et on va pousser vers le ciel. Les bras ne redescendent jamais en dessous de la ligne des épaules. Si vous regardez avec Tony, les bras, ils restent à cette hauteur-là. Jamais on descend, sinon on ne force plus. D'ici, et on tend les coudes, on pousse vers le ciel. On va faire ça 20 fois, et 20 fois, on va rester en mouvement dynamique. Allez, on y va. On pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Dynamique des petits. On a la teuf du premier gland. Et on a bougé. Vous pouvez mettre de la musique si vous voulez chez vous. Faites ce que vous voulez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On pousse à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regardez Tony, il continue à le faire. Là, Tony, il le fait très bien. Il tend les coudes, les bras, ils sont tendus. C'est pas ça que je veux voir si vous me regardez. C'est vraiment l'image que fait Tony. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Petit. Dynamique. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, ça commence à chauffer les épaules, c'est normal. 5, 4, 3, 2, 1, et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on serre les dents. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Dynamique. Et cette fois, sur les dynamiques, on écarte un petit peu les jambes et je vais commencer à descendre en squat et me pencher légèrement vers l'avant en gardant le dos bien droit. On descend. 5, 4, 3, 2, 1. Et la dernière série, on la fait ainsi. Là, on sent bien que ça travaille aussi au niveau du dos. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, regardez le sol. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On relâche. Main vers la caméra ou vers votre écran. Et rotation des épaules vers l'arrière. On respire vers l'avant. 5, 4, 3, 2, 1. On tend les bras à nouveau, les bras bien tendus, je garde le dos bien droit. Et on va, ce que j'appelle avec mes filles, jeter de la poussière de fée. On travaille les avant-bras, 100 d'un côté, ainsi, et on refera 100 dans l'autre sens. Pour l'instant, on reste là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90, 100, on tend, 10, 20, 30, 10, 40, pardon, 50, 60. On va s'appliquer. 70. 80. 90. Et 100. On relâche, on va croiser devant, derrière. Pour bien détendre les bras en rotation sur les épaules vers l'arrière. 5, 4, 3, 2,
1 et vers l'avant. 5, 4, 3, 2, 1. On secoue les poignets pour bien détendre les avant-bras qui ont un petit peu travaillé. On joint les avant-bras et rotation des poignets dans un sens, rotation des poignets dans l'autre. On va, comme on va le round d'après, on va travailler beaucoup les hanches. On va faire une petite rotation des chevilles. Les hanches, on va travailler les genoux, pardon. On va travailler fente et squat. L'autre cheville. Les genoux vers l'intérieur. Vers l'extérieur. Normalement, vos bras, ils ont récupéré. Donc, on va pouvoir réattaquer au niveau des jambes. Et après, les rounds de poing. Buvez un coup, c'est la fin du round 2. Pour le prochain exercice, on va travailler des squats. Je rappelle les squats, pointe de pied vers l'extérieur, talon rentré. Je descends sur une chaise qui n'existe pas. On descend bien droit, ce n'est pas les genoux qui vont vers l'avant, mais c'est bien mes fesses qui vont vers l'arrière et je garde le dos bien droit. On fait 20 squats normaux, 20 squats sur la pointe des pieds et après, on en aura plein d'autres. Allez, c'est parti, 20 normaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. On monte sur la pointe de pied et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Les 20 prochains, 1 sur le côté, 2 et on en fait 20. 10 d'un côté, 10 de l'autre. Je remets juste mon micro, ça vous laisse le temps de respirer un petit peu. Et on y va. Allez, 1, côté, 2, côté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, genou en face, bras opposés. Genoux, bras opposés. Et on y va, les 20 derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On détend un petit peu les jambes. Pour l'exercice d'après, on va travailler en fente. Je me mets de profil pour que vous compreniez bien. On avance un pas, je descends. Fente, coup de pied de la même jambe, la jambe qui est avancée. On descend, pied. 20 fois cet exercice-là. L'exercice d'après, je descends, pied opposé. On descend, pied opposé. 20, 20, on change de garde. 20 et 20. Allez, on repart pour 80 fentes. C'est parti. Allez, 1, coup de pied. 2, coup de pied. 3, 4, 5. Et vous descendez progressivement, si c'est fatigant pour vous, des petits mouvements. On essaye, comme Tony, regardez, de bien maintenir son équilibre. Je descends, je me redresse. Je suis en équilibre, pas de déséquilibre. Ancrez-vous bien au sol. Allez, et encore 5, 4, 3, 2, 1, et on change de pied. On descend, pied arrière. Allez, on descend, pied arrière. Ah, on va plutôt faire comme Tony. On change de pied, on fait le même exercice. Comme ça, c'est pas la même jambe qui travaille. On descend, et on recommence pied avant. Allez. Cinq.
fini. 1, 2, le dos bien droit. 3, c'est bien. 4, 5, 6, 7, respirez. 8, allez, encore 2, 9 et 10. On relâche un petit peu les jambes. Et cette fois, j'avance une jambe, boum, pied opposé qui part. Relâchez-le. Si votre pied il arrive au niveau du tibia, ça ne me dérange pas. Variez les hauteurs. 1, tête, tibia, comme bon vous semble. Allez, c'est parti. 20 et 20. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, boum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On change de pied. On y va tout de suite. 1, boum, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, c'est dans la tête, 8, 9 et 10, on a fait la moitié, 1, boum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1, on relâche bien les pieds et on boit un coup. Pour le round numéro 4, coup de poing, 10 jabs pour l'instant, lentement, travail technique, bien en garde, point avant, avec moi, 1, 2, 3, 4, 5, si je mets le profil, 6, 7, 8, 9 et 10, 10 rapides, punchy, je reviens, boum, 1, et on revient, on passe bien, épaules et hanches. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Cross, main arrière. Direct, rectiligne, main arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose, punchy. Bien en garde. Allez, 1, boum. 2, 3, 4, arrière, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Main avant, main arrière. Tony, il a le tableau devant lui, il anticipe. Allez, main avant, main arrière, rapide, 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Double crochet avant, crochet bas, crochet haut, on ramène, 1, je ramène, 2, bas, tête, lentement avec moi, bas et tête, on reprend, bas et tête, encore, bas, tête, encore, bas et tête, regardez bien Tony, encore, bas et tête, le coude dans l'alignement des épaules, allez encore 5 fois, 1, 2, coude dans l'alignement des épaules et du poignet. 3, 4, 5. Et maintenant, rapide, 1, et on revient. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Percute arrière, 1, 2, on engage, 4, 5, 6, lentement pour l'instant, 8, 9 et 10, rapide, explosif, 1, boum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20, et on part sur notre enchaînement, jab, uppercut arrière, crochet avant. Direct rectiligne main avant, uppercut main arrière, crochet main avant. 3 frappes avec moi doucement sur 10 mouvements. Allez, 1,
hypercut, crochet. 2, jab, hypercut, crochet. 3, 4, et on revient bien en garde entre chaque frappe. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La même chose, mais cette fois, punchy, explosif, et on reste bien en garde. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche un petit peu les bras et on va repartir pour 5 hyper explosifs, mais cette fois, je sautille en garde combat. Allez, on sautille et à mon top, on y va. Allez, top! Et on sautille à nouveau, bien en garde. Et on reste bien en garde. Si je me déplace, toujours les coudes bien serrés. Allez, Tony! Ouais! Top! Et on repart. Top! 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 Allez, encore 3. Top! 2! 1! Et on souffle. On relâche les épaules et on boit un coup. Cinquième round, on en a fait la moitié, c'est super. On va repartir sur des coups de pied. Coup de pied, front kick, jambe avant, coup de pied direct de la jambe avant. Soit vous vous mettez en garde, soit vous décidez de ne pas être en garde. De toute façon, on va travailler les deux jambes. Donc comme vous voulez, position neutre ou en garde, vous choisissez une jambe. On tape 10 fois lentement, 10 rapides. Allez, en garde ou pas. Et on y va, jambe avant. 1, 2, 3, 4. On passe bien la hanche sur son coup de pied. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La même chose, punchy. En face. Le pied bien relâche et boum, on part. Allez, 1, bam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La même chose, jambe arrière, front kick de la jambe arrière. Donc cette fois, ceux qui n'étaient pas en garde, on se met bien en garde et j'engage ma jambe arrière. 1, et on n'oublie pas les hanches. 1, allez, 10 lents, 10 rapides. On y va. 1, 2, 3, 4. Redescendez pas en fente. 5, 6, sauf si vous avez vraiment aimé l'exercice d'avant. Allez, 8, 9 et 10. Rapide, punchy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hélice, genou arrière, et on engage bien les hanches. Allez, le genou, position de garde, 1, et on revient, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on passe bien la hanche, 9, 10, on va changer de garde. Là, on ne fait pas 10 jours rapides, mais on les fera plus tard dans l'enchaînement. On change de garde, on reprend jambe avant. Boum, on envoie. Allez, 10 lents. 1, 2, 3, et on engage la hanche. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Rapide, punchy, quelle que soit la hauteur. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on reste bien en garde, 9 et 10, jambe arrière, 1 et on revient en garde. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
punchy. Allez, c'est bientôt fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Genou arrière. Et on engage. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour finir, sans garde, on va faire 10 coups de pied vers l'arrière. 1, 10 d'une jambe, 10 de l'autre. Je lève, j'arme et j'engage en regardant là où je frappe. Tony, il est fait. Il va les faire dos à vous pour que vous puissiez voir son regard. Et moi, je vais le faire de côté. Ainsi et moi de côté. Comme ça, vous avez deux vues. Allez, on commence par la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jambe gauche maintenant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien, c'est la fin du round 5. Buvez un coup. Les abdominaux. Donc pour ce faire, je vais vous montrer des exercices. Si vous ne pouvez pas les faire, on va trouver des variantes. On va marcher sur du 30 secondes. 30 secondes un exercice, 30 secondes un autre exercice. Ça va super bien se passer et ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Donc premier exercice, on va se mettre, on va s'allonger par terre, le dos bien posé au sol, rétroversion du bassin, les mains posées à plat et je vais venir monter les jambes et je reviens. Juste une chandelle, ce qu'on faisait quand on était gamin, avec un appui sur les fesses. Là, je descends, je monte. Et c'est les abdos qui travaillent. Allez, on y va. 1, 2, tu me dis Tony si... 3, si j'ai pas fait, vous parlez pas. 4, 5, si vous voulez augmenter, vous tendez comme Tony fait. 6, on tend et on tend. 7, 8, 9, et 10. On se redresse sur ses fesses et on va rester en vol. Statique, 30 secondes. Plus vous allez descendre, plus vous allez travailler. Restez modeste. Le but du jeu, c'est de travailler 5 minutes les abdos, sans les arrêter. Donc, on continue. On reste en statique encore 30 secondes. Vous continuez, vous regardez bien l'écran et vous m'écoutez en même temps que vous êtes en vol. Prochain exercice, levez. On s'allonge. Les mains tendues vers le sol, les pieds tendus. Et je vais venir tout regrouper. Soit jambes tendues si vous êtes super souple, si vous n'êtes pas souple, vous repliez. 30 secondes cet exercice-là, dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour lever. Boum. Ça y est, vous parlez. Et on y va. Si vous ne pouvez pas faire l'exercice, vous faites la même chose, mais vous venez toucher, juste en repliant les jambes, vous venez toucher vos talons. Pour les autres, hop, on vient toucher. Ça va là, Tony? Oui, ben ça, c'est là, oui. C'est pour le dos. Oui. Deux variantes. Toujours trouver des variantes. Les exercices sont à peu près les mêmes. Les efforts et les muscles sollicités sont les mêmes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'arrête. Prochain gainage. On reste en gainage. 30 secondes. 30 secondes d'un côté. Et après, je travaillerai 30 secondes en ouverture de main et 30 secondes en ouverture de l'autre côté. Allez, c'est parti, on tient en gainage et on y va. Le gainage, c'est un exercice statique, c'est un exercice qui est très amusant. Pensez à souffler. J'ai une copine sur Poissy, elle se reconnaîtra. Elle aime regarder un épisode, lire un livre. 50 minutes de gainage, je crois, elle a battu, elle est à plus loin que ça.
au niveau de son record personnel. Allez, on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, on va ouvrir la main. Et on revient, on repose la main. On revient, sans reposer, pardon. 1, et on revient. 2, et on reste toujours en mouvement. Si ça vous pose problème au niveau de votre dos, vous faites ce que faisait Tony tout à l'heure. On reste ainsi en ouverture, comme ça, ça travaille quand même les obliques. Mais vous n'êtes pas obligé de faire une rotation du dos. Allez, on tient encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on change de côté. On passe sur l'autre côté. On ouvre ou on tient, comme vous voulez. Pensez à bien respirer. On est à la moitié. Allez, encore 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'arrête. Abdos, des petits crunchs. C'est bon pour voir le crunch ? Ouais. Des petits crunchs, des crunchs classiques. Et après, on va descendre. On va mettre 2 secondes à monter, 2 secondes à descendre. 3 secondes à monter, 3 secondes à descendre. 4 secondes à monter, 4 secondes à descendre. On s'arrête à 5-5. Pour l'instant, 10 classiques. Je pose les épaules et on se redresse. Si vous ne pouvez pas, on pose les épaules, les mains poussées, les mains vers, autour des cuisses. Boum, je pousse et on reste bien le dos calé au sol. Okay. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire la même chose, mais cette fois, je vais rester 2 secondes en l'air. Allez, 1, on reste 1, 2 et on redescend. Allez, 2, on reste 3 secondes, 1, 2, 3 et on redescend. 3, 1, 2, 3, 4 et on redescend. 5, 1, 2, 3, 4, 5 et on redescend. Allez, juste pour le fun, 6, 1, 2, 3, 4, on pousse encore, 5 et 6 et on relâche. Et on boit un coup. Retourner pour le round numéro 7. Round numéro 7, on refait travailler les jambes et surtout les fesses. Un travail que vous faites bien en cours, mais qu'en général, vous n'aimez pas. Dédicace à Mathieu qui est venu nous en faire un pendant longtemps. Ça, c'est la fin de ses exercices en kickboxing. Donc, double champion de France de kickboxing. Un exercice où il travaille beaucoup les cuisses. On se met à quatre pattes. Le chien qui fait pipi, on lève le genou. On revient et on fait ça à la perpendiculaire. On va faire ça 50 fois. 50 fois, je lève le pied vers le ciel. Et 50 fois, on fera un coup de pied. Une fois que c'est fait d'un côté, on le fait de l'autre. Vous allez avoir des fesses, messieurs. On va se retourner sur vous à la plage cet été, si on n'est plus confiné. Allez, c'est parti. On y va. 1, 2, 3. Sinon, vous avez 2 ans pour travailler vos fesses. Et impeccable pour l'été 2022. 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, et regardez bien Tony, 5, 6, on lève bien la jambe, 7, 8, 9, et 20, 1, on continue, 2, 3, 4, 5, 6, on en fait 50, 7, 8, 9, 30, encore 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, on repose, la même jambe qui travaille, mais cette fois vers le ciel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, le genou se repose jamais au sol, 7, 8, 9, 20, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, encore 10, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Et on change de jambe. Allez, ça va détendre le fessou. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le dos reste bien droit. 9, 10, 1, 2. Et le pied monte haut. Regardez bien Tony. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Et on souffle en silence. 6, 7, 8, 9, 30. Allez, encore 20. 1, 2. Allez, Tony. 3, 4. Allez-y. 5, 6, 7, 8, 9, 40. Encore 10. On serre les dents. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. C'est bien. Wow. On lâche un petit peu. Et il reste 10 coups. 10 coups directs. Enfin, pardon, 10. 50. 5 séries de 10. Allez, on y va. 1, 2. C'est les derniers 50. Vous pouvez me dire. Imaginez que je suis derrière vous et on envoie des coups de pied. 7, 8, 9. 10, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, on a fait la moitié, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On se massera les fesses, on demandera un massage à son mari ou à sa conjointe ce soir. Ça va super bien se passer et sinon bah, demain, montez des escaliers, ça vous fera du bien. Allez, on boit un coup et on part sur le dernier round. Pour le round 8. Pour le round 8, on va refaire le même enchaînement que tout à l'heure. Jab, uppercut, crochet. Sauf que cette fois, on va le mettre dans un enchaînement. On va partir sur des jab cross et au top, jab, uppercut, crochet. Avec moi, pour l'instant, jab, cross. Et on ne s'arrête pas, chacun à son rythme. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé d'aller vite. On ira vite sur la dernière minute. Jab, cross, jab, cross, jab. Et au top, jab, uppercut, crochet. Avec moi, jab, uppercut, crochet. Top, jab, uppercut, crochet. Et on repart, jab, cross. Top, jab, uppercut, crochet. Et on repart. Et on essaie d'avoir le moins de temps possible entre les deux coups. Top, jab, uppercut, crochet. Boum. Et on continue. On reste bien fluide. Top, bam, bam, bam. Et on va commencer à accélérer. Allez, on accélère, bam, top, bam, bam, bam. Et on repart, top, bam, bam, bam. Top, bam, bam, bam. Top, bam, bam, bam. Top, bam, bam, bam. Et on continue, top. Le but du jeu, avoir le moins de temps possible. Si vous faites un arrêt, vous les comptez dans votre tête et à la fin de l'exercice, vous vous mettez à faire des pompes. Jab, uppercut, crochet. Allez, on continue. On monte bien ton coude sur le crochet. Top, bam, bam. Et on repart. Top, bam, bam, bam. Et on repart. Top, bam, bam, bam. Et on s'arrête. Le but du jeu, c'est de pouvoir ressortir un enchaînement que le cerveau s'acclimate. Moi, mon enchaînement favori, jab, uppercut, crochet. Il faut que je sois capable de le faire dans une combinaison où je suis assailli ou alors je suis en train de taper. Là, je vois une ouverture. Jab, uppercut, crochet. Donc c'est pour ça que je vous le fais faire dans un enchaînement de jab cross pour l'instant. Et plus tard, ça sera dans un enchaînement un petit peu plus complet.
Allez, on va partir sur une frappe que j'aime beaucoup, que vous avez déjà beaucoup travaillé. Où on est, je vais le faire sur Tony, on est frappe au visage, frappe, coude, on saisit, coup de genou au parti, coup de genou dans le plexus. Ou alors cette frappe-là, elle peut servir à venir attraper le visage. Un, j'attrape la tête pour l'amener à mon coude. Faites attention, le coude il va très vite quand vous ramenez la tête. La preuve en est, c'est que j'ai frôlé Tony. Un, deux, et après le genou parti, mais si vous tenez encore la tignasse, bah, un grand coup de genou au visage. Alors ça, c'est pour les très très méchants. N'oubliez pas, essayez de proportionner, et si vous pouvez fuir, la fuite. C'est pour ça qu'on travaille autant le cardio en cours. Allez avec moi. Jab, coup d'arrière pour l'instant. Et on engage bien les hanches. C'est pas juste le coude qui travaille, on engage. Allez, un, jab, coude. Deux, jab, coude. 3, vous pouvez venir imaginer que vous lui attrapez les cheveux. 4, on attrape et on ramène au coude. 5, boum, 6, 7, 8, 9 et 10. La même chose avec le genou arrière. 1, 2, 3. Le genou arrière qu'on a travaillé tout à l'heure. Allez, 1, jab, coude, coude, genou. 2, jab, coude, genou. 3, bam, bam, 4, 5, n'oubliez pas le coude, hein, il est hyper important pour bien lui exploser la tête. 7, j'avais oublié le 6. 8, bam, bam, 9, boum, boum, et 10. Maintenant, je fais la même chose, mais en imaginant qu'il y ait vraiment quelqu'un. On s'en prend à votre fille, on s'en prend à votre femme, on s'en prend à votre fils, on s'en prend à votre mari. Comme vous voulez, mais cette fois, je veux, on lui accroche et on bousille. Allez, 10, à fond. 1, 2, 3, allez, un bon coup. 4, un vrai coup. 5, boum, bam, 6, 7, 8, 9, et 10. On souffle un petit peu. Coup de pied de la jambe avant. Coup de pied de la jambe avant. Cross, pardon, coup de pied, coup de poing direct au visage. Ça fera pied, poing. Et on va travailler un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Uppercut, crochet, ça va super bien se passer. Allez, 1, front kick, cross au visage. 2, front kick, cross. 3, 4, 5, 6. Quand je pose le pied par terre, mon poing est parti. 8, 9, boum, 10. On rajoute une frappe. Front kick, cross, jab au corps. On descend sur ses appuis et un coup de poing indirect au niveau du corps. Allez avec moi. Front kick, cross, jab au corps. Encore. Front kick, cross, jab au corps. Encore. 1, 2 et 3. Encore, 1, 2 et 3. Encore, 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais là on vient de finir avec un jab. On va rajouter l'enchaînement qu'on aime bien, jab, uppercut, crochet. Donc, je vous montre la finalité, on le fait 10 fois lentement, et les 10 fois d'après, on explose. On explose sur 5 frappes, donc pensez-y, on a beaucoup travaillé ces frappes-là. Si vous n'arrivez pas à faire votre jab au corps, jab, uppercut, crochet, jab au corps, uppercut, crochet, vous ne prenez pas la tête avec les hauteurs, restez sur une hauteur de visage. Mais on va partir sur front kick, cross, jab, uppercut, crochet. 5 frappes. Front kick, cross, jab au corps, uppercut et crochet. Ce qui fait qu'on frappe toutes les lignes, génitales ou corps. Je reviens avec une frappe au visage, je redescends avec une frappe plexus, foie, rate, comme vous voulez. Je remonte avec un uppercut et une frappe circulaire avec un crochet. 5 frappes, 5 cibles, on le défonce. Allez, lentement, avec moi. Front kick, cross, jab, uppercut, crochet. Encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore. Front kick, cross, jab, uppercut, crochet. Encore. 1, 2, jab, uppercut, crochet. Allez, on va repartir cette fois pour 10 enchaînements explosifs. 5 frappes, ça vous en fait 50.
Si vous vous craquez, si vous n'arrivez pas à suivre le rythme, c'est pas grave, je veux que vous frappiez et que vous y alliez à fond. Donc, je bug, eh ben, on enlève le cerveau, on le met de côté. C'est un coup de pied, quatre coups de poing. Donc, si vous buguez, 1, 2, 3, 4, et on s'en fout, faites-moi du coup de poing. Je veux de l'explosivité, je veux de l'énergie. 10 frappes, en garde, allez, on y va. 1, boum, bam, 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 bam. Allez, 2, front kick, bam, bam, bam. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, boum. 6, 7, moi aussi je me trompe, 8, 8, 9, et 10. Et on souffle, on relâche. Vous voyez, ça nous arrive tous de nous tromper, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est de l'énergie. Je le répète suffisamment en cours et suffisamment en cours au niveau des visions. Ce qu'on vous demande, c'est pas forcément de la technique, je suis pas avec vous pour vous corriger, mais je veux de l'engagement, de l'énergie. Et avec ces deux-là, déjà, on a toujours un semblant d'efficacité. Rappelez-vous, c'est les 3 maîtres mots de l'AK-44SD. Allez, je vous remercie à toutes et à tous. Si vous voulez vous étirer, n'hésitez pas. Nous, on va repartir après sur un petit entraînement à deux. Donc, du coup, on va vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à revenir vers moi. Et puis, bah, si vous avez envie que je vienne à domicile faire un cours avec vous et que vous soyez la star du jour, n'hésitez pas. Une petite info, Tony a sa propre chaîne. Donc, pour tous ceux qui aiment le bricolage, pour tous ceux qui parlent espagnol, je vais lui laisser dire le nom de sa chaîne et elle sera en commentaire. Donc, vous n'hésitez pas. Il s'appelle Llenando la Gaveta. C'est en espagnol, je ne sais pas si vous allez le trouver, mais... De toute façon, elle sera dans la liste, donc vous n'hésitez pas, allez jeter un coup d'œil, mettez un like, ça sert toujours, vous, ça vous fait pas de mal, mais nous, ça nous fait toujours du bien. Merci à vous, bonne journée et bon week-end. Salut.